Bonjour et bienvenue. Ce soir, au Club Photo en ligne, on reçoit Joël Verbruche pour son livre La photo de rue, donc dans la collection Parcours juridique. Et elle va donc nous parler de la photographie de rue et du droit qui s'y rapporte. Bonsoir Joël. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. De rien, c'est avec plaisir en tout cas. Ce n'est pas la première fois qu'on te reçoit sur la chaîne C'est YouTube, c'est vrai. la première fois qu'on te reçoit au Club Photo. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots? Oui, donc je suis avocate depuis plus de 30 ans. Je suis aussi photographe avec un numéro Siret d'artiste depuis 2009. Et je suis l'auteur du blog Droit et photographie, ainsi que de différents ouvrages sur les thèmes de la photographie au niveau juridique et de la vidéo au niveau juridique. Alors, le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celui de ton dernier livre, donc La photo de rue. Et alors, j'ai demandé aux membres du club de poser de te poser des questions, en sachant que Bruno, lui, s'interrogeait sur la photographie d'enfants pendant une séance de maquillage en public. Céline, elle avait des questions sur les photos qui sont prises par des photographes professionnels, notamment au ski ou à la plage. De mon temps, on appelait ça le filmage, et qui sont ensuite vendues aux personnes photographiées. Et enfin, Christiane, qui a la chance d'être en Martinique, elle fait chaque année des photos des festivaliers lors du carnaval. Et en fait, toutes ces photos sont prises dans la rue ou dans l'espace public. Mais est-ce que pour autant, on peut parler de photographie de rue pour chacune de ces situations? Alors, à mon sens, bon, il faut savoir que la photographie de rue n'est pas définie en tant que telle, ni de manière générale au niveau photographique, ni encore moins au niveau juridique. Parce qu'au niveau juridique, il y a très peu de définitions. La photographie, pour les législateurs, le législateur, c'est un domaine qui met en vrac dans d'autres domaines de la vie professionnelle et des activités commerciales. Et donc, j'ai commencé le bouquin en essayant moi-même de définir la photo de rue. J'ai repris en fait une définition qui se trouvait dans Wikipédia, qui n'était pas trop mal, que j'ai un petit peu adaptée à ma sauce pour rester sur la photographie de rue à usage essentiellement artistique. Donc essentiellement des photos de rue, les déambulations, les douaneaux, etc. L'image qu'on a de la photo de rue de cette manière-là, en sachant que pour rester dans la notion de photo de rue, généralement ce sont des activités humaines impromptues qui se déroulent devant nous quand on est dans l'espace public et on va dire par extension. Le décor de ces activités-là, donc j'ai vu qu'il y avait une question plus tard sur un bâtiment, peut éventuellement rentrer dedans, mais la façon dont moi je comprends la photo de rue et dont moi je l'ai analysée juridiquement, c'est vraiment l'activité humaine dans l'espace public et la finalité artistique des séries ou des photos. Donc c'est dans l'espace public, mais c'est impromptu et c'est à finalité artistique. Donc du coup, quand on parle de photographie des enfants pendant une manifestation, ça peut être impromptu si on ne travaille pas pour les parents. Exactement, exactement. Et alors, il faut vraiment. Alors, pourquoi je dis impromptu? C'est que, par exemple, une séance de photos qui aurait lieu, qui serait organisée entre un photographe et son modèle d'art, qui aurait lieu dans l'espace public, pour moi, ce n'est pas du tout de la photo de rue. C'est de la photo D'accord. avec un modèle d'art. Et on ne peut pas. D'ailleurs, tu sais comme moi qu'il y a des règles très spécifiques pour tout ce qui est modèle d'art, etc. On ne peut pas appliquer les mêmes règles juridiques que la photo de rue impromptue à des finalités artistiques. Comme ça, avec les gens qui passent dans la rue, à une séance qui est organisée avec un modèle. Donc c'est pour ça que D'accord. j'ai rajouté ce côté impromptu qui, pour moi, juridiquement, est important dans la façon dont on va analyser les situations après. Alors, on va peut-être commencer avec maintenant qu'on a un petit peu défini le sujet, ce dont on parle, c'est vraiment ce que les anglo-saxons appellent la street photographie. Exactement. C'est pas de la photo prise dans l'espace public, c'est de la photo artistique réalisée de manière impromptue et sans mise en scène au préalable. Voilà, alors après, la rue ou les parcs ou pourquoi pas la plage, etc. Hein, je crois J'entends pas qu'il faille l'espace limiter public, ça du à coup. la rue, mais voilà, c'est vraiment l'espace public ouvert à tous, qu'il soit en plein air ou pourquoi pas, on peut très bien faire de la photo de rue dans un musée. Il n'y a pas de problème. Si le but n'est pas de faire une séance posée, de nouveau, ça va être l'interaction entre un spectateur et son tableau, etc. Tout ça, pour moi, ça reste de la photo de rue. On a une première question de Bruno. Oui, bonjour Joël. Oui, Bonjour. c'est une question liée à un événement que j'ai vécu un jour. Donc effectivement, il y avait des maquilleuses, enfin, qui effectivement maquillaient les enfants dans un parc. Et j'ai vu une petite fille qui était joliment maquillée. Je me suis approché avec mon iPhone et j'ai pris une ou deux photos d'elle.
Et après, j'ai le papa qui est arrivé sur moi en me disant, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de photographier ma feuille, ma fille. D'où ma question, est-ce qu'on a le droit de photographier des enfants qui participent à ce genre de prestations publiques et gratuites? Alors, le droit de le photographier, oui. D'accord. Je vais vous parler du droit, puis après je vais vous parler de la pratique et en effet de ce qui se passe dans la tête des parents, parce que j'étais dans l'autre situation aussi, bien sûr. Alors, en droit, oui. Et il y a, de toute façon, prendre la photo, vous pouvez toujours la prendre. Après, la question qui va se poser, c'est est-ce que j'ai le droit de la diffuser? Et si oui, à quelle finalité? Tant qu'on reste dans l'idée d'une photo de rue, d'une discipline photo de rue qui est à finalité artistique, on va appliquer l'arrêt qui s'appelle l'arrêt Bannier, qui est un arrêt de 2008, et qui rappelle que dans le conflit entre le droit à l'image et la liberté d'expression artistique du photographe, quand le juge apprécie ce conflit entre des normes qui sont concurrentes, le principe, c'est que la liberté d'expression artistique du photographe doit l'emporter, sauf si soit la photo est contraire à la dignité humaine, ce qui n'est généralement pas le cas, mais on peut penser par exemple à une photo de rue qui représenterait un SDF, des choses comme ça, là, on a potentiellement des problèmes. Soit, deuxième possibilité, c'est alternatif, il ne faut qu'une seule condition. Une deuxième possibilité, c'est que la diffusion de la photo cause à la personne, je cite, des conséquences d'une particulière gravité. Et ça, c'est une condition que le juge va apprécier lui-même. Mais ce sera à la personne qui se plaint de l'utilisation de son image de venir démontrer que cette diffusion, celle que vous avez faite, donc par exemple sur votre blog, votre site Instagram, etc., que cette diffusion a causé, ici, à sa fille, dans votre exemple, des conséquences d'une particulière gravité. Et généralement, les juges sont beaucoup plus souples que ce qu'on imagine nous et que ce qu'imaginent même les parents dans votre exemple. Avec les parents, ils ont tendance à croire que dès le moment où on photographie leur enfant, c'est interdit. C'est faux, il n'est pas interdit de photographier un enfant en rue. Tant que vous restez dans la liberté d'expression artistique, on va appliquer ce critère-là. Par contre, s'il s'agit de faire du commerce derrière, d'en faire des mugs, des tapis de souris, des cartes postales, là, c'est impossible tant que vous n'avez pas l'accord des deux parents de l'enfant. D'accord. Et cet arrêt Bannier, j'en parle à différents endroits dans le bouquin, Jérôme, tu as dû voir ça. Oui. Parce que c'est vraiment l'arrêt fondamental en matière de liberté d'expression et justement de photo de rue, parce que c'était une affaire qui concernait une photo de rue. Et c'est vrai qu'on se rapproche depuis cet arrêt Bannier. Moi, c'était une de mes grosses, problématique en tant que photographe, c'est on se rapproche en fait de l'écriture, c'est-à-dire que on a le droit mon premier métier c'était le journalisme, mais on pouvait citer quelqu'un dans un article de journal à partir du moment où ça n'était ni infamant ni diffamant. Et c'est vrai qu'avant cet arrêt Bannier, c'était un peu je suis en photo, payez-moi, et les gens réclamaient des dommages d'intérêt en l'absence de dommages. Et maintenant, il y a cette notion de dommage qui entre en ligne de compte, qui à mon sens est vraiment beaucoup plus juste, parce qu'à partir du moment où on fait pas de mal aux gens, il n'y a pas de raison qu'on soit sanctionné. Oui, et en fait, l'arrêt Bannier le dit très clairement. J'en reproduis quelques extraits, deux, trois paragraphes dans le bouquin, parce qu'il est vraiment très, très important. Il dit clairement que la liberté d'expression, y compris artistique, est l'un des piliers fondamentaux d'une démocratie. Oui. Et que donc, on ne peut y porter atteinte que dans des cas très précis. Oui. Et ce sont les deux cas que j'ai énumérés juste avant. Et c'est important parce que c'est précisément avec cet arrêt Bannier-là qu'on peut répondre gentiment et poliment aux gens qui viennent nous agresser quand on fait de la photo de rue. Ah, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Si, si, j'ai le droit. Oui, j'ai le droit. Après, il y a la pratique, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Alors, voilà, alors la pratique, évidemment, c'est que dès qu'on s'approche des enfants, c'est plus compliqué. Et dans l'autre sens, j'ai eu le cas. Moi, j'ai des enfants qui sont des jumeaux. Alors là, ils vont avoir bientôt 18 ans dans quelques jours. Mais quand ils étaient tout petits, les premières fêtes de Bayonne où on les a emmenés, ils avaient 5 mois. Ils étaient tous les deux en blanc et rouge dans une poussette double et il y a quelqu'un qui s'est planté devant eux en les photographiant sans bon accord. Et c'était vraiment très agressif, très intrusif. Et donc là, c'est la seule fois de ma vie où j'ai dit, écoutez, demandez. Ah oui, mais ils sont mignons. Je dis, oui, mais demandez. Parce que comme parents, on a évidemment tendance à vouloir protéger et on sait très bien ce qui peut se passer aussi avec des photos diffusées sur Internet. Donc, il faut quand même un minimum de bon sens. Mais la règle juridique, c'est celle de l'arrêt Bannier, que ce soit des enfants ou des adultes. Ça ne change pas. Après, alors, c'est le bon sens et la façon d'approcher les gens, peut-être dire, écoutez, je suis désolé, je ne voulais pas être intrusif. Moi, je vous propose de vous envoyer cette photo, c'est vraiment mignon et je n'en ferai rien d'illégal. Il y a moyen de discuter, quoi. Il y a une chose que tu dis dans ton livre, c'est que prenez toujours la photo et vous verrez après ce que vous allez pouvoir en faire. Alors, il faut quand même faire attention, il y a quand même des règles de courtoisie. Ça dépend des pays aussi. Ouais. Là, on parle du droit français uniquement. Mm-hmm. Mais il y a des endroits où il vaut mieux éviter, quoi, où ça ne se fait pas du tout. Ah ben, dans beaucoup de pays musulmans, c'est très compliqué. Il faut écouter notamment les conférences de Philippe Rochaud. Parfois, c'est amusant quand il le raconte.
Mais voilà, il a eu quelques tracas avec des photographies de femmes en tchador, etc., dans différents pays musulmans. Et chaque fois, c'est drôle, mais bon, c'est vrai que ça dépend de la culture, de la religion, etc. Mais là. Ah, il y a une autre anecdote rigolote. C'est, alors, dans ton livre, tu donnes l'exemple qui revient très souvent de la personne qui est photographiée avec sa, enfin, le type qui est photographié avec sa maîtresse. Et alors, je ne sais plus si c'était dans un de ces bouquins où j'avais lu ça, mais je l'avais photocopié. C'est pour enfin, je l'avais gardé précieusement dans mes trucs. C'était un exemple où, alors, je n'ai pas la référence de l'arrêt, mais où le petit encadré, c'était un juge a pu conclure avec humour un divorce suite à une photo dans la rue au bras de son amante, donc un délit d'adultère, puisqu'à l'époque ça devait être un délit, je ne sais plus si ce soit toujours le cas, mais n'était pas un préjudice, car sans le dit délit, il n'y aurait pas eu de problème. En gros, si le gars il a divorcé, ce n'est pas qu'il a été pris en photo, c'est qu'il a trompé sa femme. Et c'est vrai qu'on dit toujours Alors, c'est la je ne faute du crois pas que ce soit photographe. un de mes livres que tu as montré là, parce que cette phrase ne me dit rien du tout. Mais justement, moi, c'est plutôt l'inverse que je Ah dirais. oui, ben oui, C'est c'est pour ça que que ça il peut me. très. Voilà, il peut. Non, mais je crois pas. Je ne sais pas ce que tu m'as montré, mais en fait, j'ai l'impression que ce n'est pas un des miens. Ça ne me dit rien comme mise en page. Ah, Mais toujours est-il que, justement, c'est si précisément. Ben, il y a eu une affaire dans ce style-là. C'était un pompier et une pompière, je ne sais pas si ça se dit, volontaire, dans une caserne, mais qui n'étaient pas mariés ensemble, qui étaient plutôt mariés chacun de leur côté. Et qui étaient de garde en même temps et qui en profitaient pour faire des galipettes. Et un de leurs, enfin, ils ont filmé, ils se sont filmés ou photographiés eux-mêmes, ils ont mis une clé USB ou l'appareil photo, je ne sais pas, dans le casier d'un des deux. Et un de leurs collègues plaisantins qui est venu chercher le support avec les photos et qui a diffusé ça dans toutes les casernes à 100 km, dans un rayon de 100 km. Et finalement, un des deux a divorcé et a pris un divorce assez tort parce que, précisément, infidélité, il n'y avait pas besoin d'être un délit, hein, ça reste une cause de divorce au niveau civil. Et à partir de là, là, on peut dire qu'il y a des conséquences d'une particulière gravité qui n'auraient pas eu lieu probablement sans la diffusion de la photo, justement. Parce que s'il s'était contenté de faire des photos et que les photos sortaient pas du casier sans le collègue qui les diffuse partout, il est probable qu'il se serait pas divorcé, en tout cas pas de cette manière-là et à cause de la photo, peut-être plus tard pour autre Ouais, alors chose. là, on rejoint un petit peu le petit truc qui m'embêtait autrefois avec la dissociation avec l'écrit, c'est que si le collègue s'était contenté d'aller voir l'une des femmes et lui en parler, il n'aurait pas eu de problème. Alors que le C'est fait d'utiliser, exact. alors que le fait que ce soit une photo comme support, C'est exact, mais là, on envisage la question de savoir si oui ou non on peut la diffuser. Et en l'occurrence, non, parce que cette diffusion, alors là, ça restait une diffusion publique, c'était pas un conflit avec la liberté d'expression artistique, parce que c'était plutôt directement une atteinte à la vie privée, mais c'est un exemple de cas dans lequel il peut y avoir des conséquences d'une particulière gravité. Et donc, on peut imaginer, justement, pour un couple qui se promène dans la rue, on dit chouette, ça y est, je tiens le deuxième baiser de l'hôtel de ville, c'est formidable. Et puis en fait, il se trouve que c'est formidable peut-être pour vous, mais pas tellement pour les gens qui sont photographiés, quoi. Ah bah oui, mais c'est eux qu'on déconne, Ah c'est oui, pas le peut-être, photographe. mais d'un autre côté, ils ont peut-être déconné, c'est encore leur droit. Mais la diffusion de la photo, si elle est en lien direct avec le fait que le mari ou la femme légitime trouve la photo et a dès lors la preuve du divorce, enfin de l'infidélité, et donc la possibilité de divorcer et d'avoir ces conséquences-là, on est forcément dans des conséquences importantes. Effectivement. Alors on va repartir sur quelque chose d'un petit peu plus léger. C'est Christiane qui avait une question également. Christiane. Oui, alors ma question concerne le carnaval. Chaque année, nous avons donc le carnaval qui se déroule pendant 4 jours en Martinique et les carnavaliers adorent se faire photographier. En fait, bon, on a presque l'impression qu'ils se déguisent juste pour se faire photographier. Donc, il y en a que l'on photographie à leur insu parce que dans le groupe des carnavaliers, il y a toujours la personne qui attire plus l'attention que l'on photographie. Et l'intérêt pour moi, en tant que photographe amateur, c'est de diffuser après les plus belles photos. Donc, je voudrais connaître la règle à ce niveau-là. Donc, de diffuser Alors, sur les réseaux sociaux, j'entends, hein. oui, elle sera exactement la même, avec en plus le fait qu'ils participent à une manifestation et que, sachant qu'ils sont dans une manifestation, alors ça change rien au niveau de votre liberté d'expression artistique, mais même si vous faites par exemple un article qui dit, tiens, voilà, j'étais présente au carnaval de, je ne sais pas quelle ville, Saint-Denis sans doute, France, Tour de ouais, France. Fort-de-France. Et il s'est passé ça, et voici quelques photos de l'événement. Là, vous êtes entre la liberté d'expression artistique et le droit à l'information, parce que le droit à l'information, ce n'est pas que pour les organes de presse, c'est pour tout le monde, chacun qui veut informer sur un événement qui vient de se passer. Et bien, dans ce cas-là, ce n'est plus l'arrêt Bannier qui s'applique, c'est juste l'exigence de mettre des photos qui sont en rapport direct avec la manifestation que vous avez couverte dans ce cas-là, c'est-à-dire le carnaval.
Et à partir du moment, et là, il y a de la jurisprudence qui dit très clairement que quand quelqu'un participe à une manifestation, que ce soit une manifestation pour revendiquer contre ou pour quelque chose, ou bien justement un rassemblement comme ce genre-là, eh bien, il s'expose, il sait d'emblée qu'il s'expose à être photographié, et que donc il ne peut pas s'opposer, même en gros plan, à la diffusion de son image, pour autant que l'image ne soit pas détournée, c'est-à-dire que vous n'illustriez pas le carnaval dans 3 ans, ou bien une manifestation pour autre chose, avec cette photo-là qui soit sortie de son contexte. Mais tant que vous restez dans le contexte, ça passe tant au niveau de la liberté d'expression artistique qu'au niveau du droit à l'information, les deux vont passer sans problème, sans difficulté. Ok, j'ai juste une réserve. Alors, ça, je le fais. Par contre, il y a une petite fille qui était avec sa maman. Elle a lâché sa maman quand elle m'a vu avec l'appareil. Elle est venue devant moi et m'a demandé de la photographie. Ce que j'ai fait, mais je n'ai pas osé la diffuser. Ben, vous auriez pu. Franchement, vous auriez pu, parce que je vous dis, les règles sont les mêmes. Et d'ailleurs, par exemple, si on reprend l'exemple de la manifestation, on a aussi une jurisprudence où là, c'était une manifestation, alors je ne sais plus, je crois que c'était suite à un attentat antisémite. Et une famille juive était venue avec tous les signes ostensibles, donc kippa pour les garçons, je ne sais pas s'il y a quelque chose pour les filles. Et un petit garçon, justement, de 5-6 ans, avec sa kippa aussi sur les épaules de son papa, en tête de cortège. Et c'était paru en couverture, je crois que c'était VSD ou Paris Match. Et donc ils avaient assigné en disant mais c'est scandaleux, c'est atteinte à la vie privée parce que c'est notre religion et que ça ne regarde que nous, etc. Et ils ont été déboutés parce que le juge a dit justement, attendez, vous avez participé à une manifestation, vous avez vous-même décidé de porter des signes ostensibles de votre foi religieuse, et vous ne pouvez pas, et vous avez décidé d'amener vos enfants et de leur faire porter la même chose, vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un d'avoir publié cette photo dans le cadre du droit à l'information. Donc, pour moi, ça serait passé tout aussi bien, tant pour la liberté artistique, d'expression artistique, que pour le droit à l'information dans votre cas. Mais je reconnais que c'est parfois plus compliqué. Et moi-même, si je photographie un enfant, je ne diffuse pas, sauf si j'ai le temps d'aller voir les parents en disant, tiens, j'ai fait cette photo de votre enfant, je me propose de vous l'envoyer si vous me laissez une adresse mail et puis vous envoyez une base d'ef. On va aborder du coup la question des autorisations avec une question de Thibault. Est-ce que Thibault a pu activer son micro? Thibault. Oui, j'ai pu activer mon micro. J'ai un peu changé de device, mais ça Ok. fonctionne, ça a l'air de fonctionner. Alors on t'écoute, Thibault. Tu as une première, enfin, tu as deux questions, mais une première déjà. Ouais, alors j'ai une première question. Donc là, on parlait qu'on peut prendre des photos, qu'on a le droit dans certains critères de prendre des photos. Je vais un peu transformer ma question. C'est est-ce qu'un désaccord verbal peut empêcher la prise de photos? Un désaccord ou un accord? De votre question au départ, c'était est-ce Justement, qu'un j'ai accord changé ma verbal question. suffit? Oui. Exactement. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'on puisse faire un accord verbal, mais un désaccord verbal. Alors, dans les deux cas, ça ne va pas changer grand-chose. Alors, un désaccord verbal, forcément, D'accord. vous allez aller droit, plus ou moins, à l'affrontement. Ça ne change pas vos droits. Vous avez le droit de photographier. D'accord? Maintenant, si quelqu'un marque clairement son opposition, honnêtement, sauf si vous êtes un journaliste en train de faire votre métier, mais dans le cadre d'une liberté d'expression artistique, quand quelqu'un marque clairement son opposition, honnêtement, n'allez pas plus loin. Parce que ça va contribuer aussi à redorer un peu le blason de certains photographes qui, eux, font n'importe quoi. Mais juridiquement, vous pouvez. D'accord? Et j'ajoute que personne ne peut vous obliger à effacer votre photo. Ni la personne en question, ni même un policier. C'est interdit. Par contre, vous savez d'emblée que si jamais la personne s'y oppose à ce point au moment où vous prenez la photo, d'une façon ou d'une autre, si elle tombe sur votre photo après, vous gagnerez sans doute et puis il y aura moyen d'argumenter, mais ce sera litige, ça c'est certain. Mais le fait qu'elle s'y oppose d'emblée ne change pas les règles de droit, ça c'est certain. Et tu avais une Et alors deuxième par contre, question. à l'inverse, je vais reprendre la question du départ, en fait on va la tourner dans l'autre sens. Si une personne vous donne l'accord, son accord par exemple, non seulement pour photographier, ce que vous pouvez toujours faire, mais aussi pour diffuser la photo, votre question de départ c'était est-ce qu'un accord verbal est suffisant? Oui, mais il va falloir le prouver. Et ça va être beaucoup plus compliqué. Qui vaut mieux un accord écrit. Ah, c'est sûr, forcément. Moi, j'avoue que la photo de rue, j'en fais très peu, voire pas du tout, parce que je demande toujours une autorisation écrite préalable. Donc, je ne Mais sors pas la photo, je ne ah sors pas l'appareil photo tant que je n'ai pas fait signer la feuille. oui, mais là tu perds un peu en spontanéité, c'est plus de la photo de rue, c'est Oui, du mais je fais portrait plus de la photo. posé. C'est pour ça que je ne fais pas de photo de rue. C'est parce que Oui, mais tu c'est. peux faire l'inverse. Tu peux faire d'abord la photo et puis aller voir la personne. Attendez, je fais une série artistique. Eh bien, Et j'avoue que j'ose pas, mais ah oui, je. mais je viens de prendre cette photo-là. D'ailleurs, je donne un exemple hein, dans le livre de façon d'approcher une personne avec un exemple Oui, concret que je mets dans les deux je donne très sens. bien. Je pense que je vais essayer ta méthode. Je Essaye, vais tu me diras, essayer. et tu me diras, ouais.
Ouais, j'essaierai. Et il y avait une dernière question donc, de Thibault sur une fois qu'on a recueilli l'autorisation. Vas-y Thibault, je te laisse poser ta dernière question. Oui, hein, donc l'autorisation d'un point de vue légal semble être plus écrite que verbale. Est-ce que la personne a le droit de revenir sur son accord? Alors, ça va dépendre de la façon dont vous avez rédigé cette attestation. Dans la mesure où si cette attestation, elle dit simplement « je sous-signe, machin, autorise Thibault à utiliser ma photo sur son site internet, etc. point », eh bien, comme il n'y a pas de durée qui est prévue par l'autorisation, on considère que c'est un contrat à durée indéterminée. Et en droit français, un contrat à durée indéterminée, ça s'arrête n'importe quand. Il suffit qu'elle dise « stop », c'est « stop ». Et donc, ça veut dire que si vous avez préparé une expo dans laquelle la photo se trouve, eh bien, votre tirage, vous le gardez chez vous, mais vous ne l'exposerez pas, vous ne le vendrez pas. D'accord ? Par contre, si vous indiquez c'est la même autorisation, mais pendant un délai de, par exemple, 10 ans à compter de la signature du document, eh bien, tant que vous respectez les limites des supports sur lesquels la personne a autorisé la diffusion de son image, elle ne peut pas revenir en arrière. Parce qu'elle s'est engagée pour une certaine durée. Par contre, à la fin, il faudra arrêter ou alors négocier une prolongation. C'est contre-intuitif, mais paradoxalement, le mettre une durée dans le contrat, ça permet de sécuriser un petit exactement, peu. Exactement, exactement. Sinon, c'est des sables mouvants et les gens sont tout contents. Ils disent, ouais, super, j'ai une autorisation ad vitam aeternam, génial, aussi longtemps que je veux. Non, 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 aussi longtemps que l'autre veut. Ce n'est pas du tout la même chose. Et alors, on a souvent le cas, justement, alors là, ce n'est plus de la photo de rue, c'est des photos, par exemple, de nus artistiques. Ou par exemple il y a une modèle ou pourquoi pas un modèle qui pose qui donne son autorisation même par exemple pour 5 ans et puis à un moment il ou elle se met en couple avec quelqu'un d'autre qui est très très jaloux et qui demande qu'elle le fasse supprimer toutes les photos. Si le contrat était bien fait au départ et que par exemple il est conclu pour 5 ans, normalement elle ne peut pas l'exiger avant 5 ans. Alors souvent les photographes finissent par dire oui parce qu'ils en ont marre des conflits, mais si c'est bien rédigé, la durée c'est contractuel. Et voilà, ça permet au moins aux photographes d'être sur un terrain juridiquement un peu stable, ce qu'on appelle la sécurité juridique. Et est-ce qu'on a la possibilité d'ajouter minimum 5 ans, par exemple? Vous pouvez, mais si vous faites ça, c'est minimum 5 ans, mais à partir de 5 ans, ça devient à durée indéterminée. Oui. Alors, ce que je fais, moi, généralement, dans les contrats, c'est que je dis une période de base de 5 ans avec des tacites reconductions successives de 2 ans. Comme ça, vous êtes, ou d'un an, peu importe. Hein. Comme ça, vous êtes toujours dans un cadre temporel limité. Et vous savez que si elle résilie, eh bien, ce sera à la prochaine échéance de la période en cours. D'accord. Alors, il y aura encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Du coup, je vous renvoie sur le livre de Joël, donc la photo de rue. On peut le trouver où, Joël ? Alors, le plus simple, c'est peut-être que je te renvoie le lien que je t'avais donné ou que tu le mettes sous la vidéo. En fait, c'est un livre qui est auto-édité. Et donc, si vous voulez me rendre service, allez le chercher directement sur la plateforme Bookelis avec laquelle je travaille maintenant, parce que ça me permettra de gagner correctement ma vie et de me pousser un peu plus au derrière, parce que je suis déjà en train de rédiger le suivant. Exactement, il faut soutenir les auteurs. C'est pour ça que… Voilà. Oui, qu'est-ce que tu as pensé du livre, Jérôme? Tu as bien aimé? Alors, moi, j'ai bien aimé. Il y a plein de… j'ai bien aimé parce que surtout, ça résume, alors c'est pas forcément, je t'ai dit, le type de prise de vue que je réalise, mais ça revient sur plein de choses de droit qui sont intéressantes et ça clarifie beaucoup les choses. Et je trouve que la jurisprudence s'est beaucoup clarifiée depuis mes débuts dans la photographie, notamment depuis cet arrêt Bannier. Et c'est vrai que ça redonne un petit peu espoir au niveau de la création. Et moi, si je ne fais pas de photos de rue, c'est aussi parce que j'ai grandi avec l'idée que dès qu'on sortait un appareil photo, on allait se taper un procès, quoi. Essaye ma méthode pour approcher les gens. Oui, mais je pense que je vais essayer. Mais si ça marche, parce que… Et j'ai toute une culture de photographe à revoir du coup là-dessus. Non, parce que c'était très compliqué. Alors justement, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu recommandes toi aux photographes comme moi hésitent à faire des photos et qui ne sait pas s'il va pouvoir et photographier et publier? Alors, c'est de commencer en se donnant confiance et en faisant des photos à contre-jour, de dos, etc. pour se sentir déjà à l'aise dans la rue. Se sentir à l'aise avec le fait de prendre des personnes qui ne nous connaissent pas. Et comme ça, si jamais elles viennent vers vous, ils disent non, mais rassurez-vous, vous êtes de dos ou vous êtes à contre-jour, on ne vous voit pas. De manière à prendre de l'assurance. Mmh. Et après, petit à petit, vous en faites une. Et puis, si la photo vraiment vous plaît bien, vous êtes testé la méthode que je donne dans le bouquin pour aller voir la personne. Et puis, vous verrez que bien souvent, ça se passe très bien, en fait. Et peut-être que pour
10 personnes qui auront accueilli favorablement en disant « Ah ben oui, c'est chouette, merci, je vous donne mon adresse, ça me plairait bien d'avoir la photo comme ça en base def par mail, etc. Ben, » il y en a peut-être une qui va dire non, qui va s'énerver, ben voilà, elle s'énerve, c'est tout. Est-ce qu'il vaut mieux pas en supprimer une sur 10 que de ne pas en faire du tout? Oui, je pense que ça sera le mot de la fin, parce que je ne voudrais pas te prendre trop de temps, et puis je renvoie tout le monde donc, sur le livre de Joël, donc la photo de rue, et puis on te réinvitera pour ton prochain livre, parce que tu en écris très souvent, et je suis... Ah oui, mais là, oui, j'ai du travail, j'ai du pain sur la planche, je crois qu'il y a Christelle qui avait encore... Oui, la photo, voilà. Oui, parce qu'il m'arrive de photographier de très jolies maisons, et je ne sais pas si j'ai le droit de diffuser. Alors là, c'est aussi expliqué dans le bouquin, mais en gros, là, c'est encore plus souple. Si ce sont des maisons qui ne sont pas des maisons d'architectes, donc où il n'y a pas de droit d'auteur dessus, vous pouvez faire quasiment tout ce que vous voulez, sauf si ça cause un trouble anormal. C'est un peu l'équivalent des conséquences d'une particulière gravité de l'arrêt bagné. Il va falloir que le propriétaire ou l'occupant de la maison démontre, par exemple, que depuis que vous avez diffusé la photo de sa maison et son adresse, il y a des cartes de japonais qui viennent photographier en pagaille. Okay. Ça, ce serait un trouble anormal, mais s'il n'y a pas de trouble anormal, vous pouvez en faire ce que vous voulez, y compris du commerce d'ailleurs. Là, il n'y a plus cette limitation à la liberté d'expression artistique. Là, c'est beaucoup plus large. Et c'est aussi un arrêt important que je résume dans le bouquin. Merci Joël. Je rappelle donc que ton livre est disponible au lien que je mets ici et que j'indique dans la description de la vidéo. Et je te souhaite à très bientôt en tout cas. Merci. Merci Joël. N'hésitez pas à me faire un retour sur ma page Facebook quand vous l'avez lu, si vous le lisez. Parce que ça, d'abord, ça fait plaisir. C'est le premier que je fais en auto-édition complète. Hier soir, je n'ai pas dormi parce que j'avais au moins 50 titres d'idées de romans, enfin de romans, de bouquins et de tables des matières qui me trottaient dans la tête. Donc, plus vous allez m'encourager, plus ça va me booster pour faire les suivants. Bon, et ben on va mettre aussi le lien vers la page Facebook pour qu'on puisse aller noter des encouragements pour que tu puisses écrire tes 50 prochains bouquins. Merci Joël. Merci beaucoup.